Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 29e épisode du Meeting des Ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes et accessoirement, euh, j'anime le show, le Meeting des Ventes du lundi que vous écoutez présentement en direct sur euh, YouTube, Facebook, euh, LinkedIn et euh, je pense que c'est pas mal ça. Donc, euh, ben, bienvenue à ce 29e épisode, comme je disais, euh, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Euh, merci d'être là, merci d'être là ce matin. Euh, le principe est assez simple, on se rencontre le lundi matin de 8h à 8h30 8h45, euh, des fois c'est un petit peu plus des fois c'est un petit peu moins selon le, le sujet et les interactions qu'on a euh, on parle de vente, de développement des affaires on partage nos bons coups, nos moins bons coups qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été euh, je partage des trucs du métier euh, ma vision des choses, comment je vois les, euh, les ventes et le développement des affaires euh, si vous voulez me poser des questions ou vous avez des commentaires vous pouvez le faire via le chat euh, que je regarde en direct, donc euh, je, je, je prends vos commentaires-là. Si vous voulez me, me poser des questions avant le show, je vous invite à le faire via euh, courriel à info-nomisco.ca. Euh, la semaine dernière, on a parlé des 28 qualités d'un vendeur, selon euh, un gars qui s'appelle Napoleon Hill. Euh, je vais vous faire un, un bref résumé de ce qu'on a parlé euh, dans, dans les choses qu'il mentionnait. Il parlait du courage, de l'imagination... Le, le discours, la voix, donc d'avoir une voix agréable, euh, le travail acharné, la connaissance de son produit-service, la confiance, vendre la meilleure solution, offrir de la valeur, euh, connaître l'acheteur potentiel et qualifier l'acheteur le, le, potentiel, neutraliser l'esprit, euh, être capable de, de clore une vente, avoir une personnalité agréable, parler aussi d'avoir le sens du spectacle, le contrôle de soi, l'initiative, d'être tolérant, euh, d'avoir une pensée juste et claire et d'avoir de, de la persistance d'avoir foi, d'avoir confiance en soi, en son environnement, en son produit, euh, d'être un, un observateur, d'en donner plus que le client euh, en demande, profiter des erreurs, des euh, des euh, échecs, les siennes comme celles des autres, participer dans un mastermind, avoir un objectif clair, euh, être capable de se mettre dans la, d'en euh, faire place, excusez-moi, faire preuve preuve d'empathie, c'est-à-dire de vous mettre dans les souliers de l'autre. Et euh, être enthousiasme. Donc, c'est les, les sujets qu'on a couverts la semaine dernière. Cette semaine, on parle de couper le cordon. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé. Je ne me souviens plus à quel épisode, mais on a déjà jasé de, de ça, de, de mettre fin à une relation. Mais euh, dans le fond, au, euh, au cours de la dernière semaine, bon, euh, les choses ont bougé pas mal de mon côté. Euh, et je relisais vendredi les shows que j'ai déjà de près d'avance euh, pour, pour des situations comme ça. Euh, et il y en a un qui m'a frappé, c'était couper le cordon. C'est euh, grosso modo, il y a, a peut-être un mois et demi, deux mois, un post qui a été fait et j'ai été euh, tagué là-dedans par euh, Maud Dupuis. Euh, je vais vous partager le post tout de suite. C'est un gars qui s'appelle euh, Thibaut Louis et non pas Louis Thibault. Semble il semble-t-il que Thibault, en France est un nom euh, assez commun euh, comme, comme prénom. Il parlait des huit pratiques euh, à éviter. Il disait bon, un seul mauvais client peut prendre 80% de votre énergie, des façons de, de les éviter. Il parle de créer un formulaire de qualification, donc comme Napoleon Hill le disait, de mettre en place, de, de qualifier le client correctement. Il parlait aussi d'un seul appel de vente pour conclure, donc de ne pas rentrer dans des cycles trop longs, de passer plusieurs fois plusieurs appels pour conclure. Paiement 100% en avance, euh, écarter les mises en concurrence, donc euh, quand un client vous dit euh, « Ah, ben, je vais regarder quelque chose avec quelqu'un d'autre euh, », pour lui, il, signe, il voit ça comme, euh, comme, comme si on était considéré comme une commodité et de ne pas aller là. Euh, annoncer une grandeur de prix euh, euh, à l'écrit, sous-promettre et euh, surperformer, donc encore là, quelque chose qui était, dont on a discuté la semaine dernière de se fier à votre intuition négative si on n'a pas nécessairement parlé, mais le fameux gut feeling, euh, si vous ne le sentez pas, euh, de, ne, de ne pas y aller. Et le principe de la bière, j'ai trouvé ça euh, sympathique. Dans le fond, il dit euh, euh, de, ne, de faire affaire avec des gens seulement si vous iriez prendre une bière avec eux. Euh, Puis là, bon, il y, y a une série de, de commentaires qui ont eu lieu, euh, comme vous voyez ici, euh, coupé, mais il donne un bonus puis c'est de ça que je vais parler un petit peu aujourd'hui c'est de couper le cordon rapidement euh, si vous voyez qu'un client n'est pas un bon fit coupez le la collaboration le plus vite possible tout ne peut pas être euh, ne, tout ne peut pas toujours bien se, se passer mais éliminez le vite car vous ne euh, car ça va vous prendre tout votre espace mental virer un client est parfois la meilleure décision économique Puis là bon il euh, y, y a des gens qui, euh, qui questionnent là-dessus euh, et il euh, y a Maurice non-Tonji qui dit, Thibault, euh, comment on coupe le cordon? Et c'est là que Maud Dupuis m'a euh, interpellé dans la conversation pour demander, pour dire que ce sera un, un bon sujet, ce qui nous amène ici ce matin à jaser de dessus. Donc, couper le cordon, euh, puis là, ben, je, si vous avez vu le, le thumbnail pour le, le show. Euh, c'était plus le câble donc couper le câble euh, c'est pas de, pas de ça du tout que je veux parler aujourd'hui mais c'est plus de mettre fin à une relation d'affaires puis je vous dirais ça peut même euh, être dans votre, dans votre vie personnelle mais euh, ça je vous laisse euh, je vous laisse, euh, ça euh, je vous laisse vous en occuper on parle de business si on parle de vente on parle de développement des affaires donc qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on s'y prend pour, euh, pour couper le cordon euh, moi, j'ai tendance à vous dire que je suis d'accord avec, avec Thibault. Euh, C'est quelque chose qu'on doit parfois faire. Euh, ça nous est tous déjà arrivé. Euh, je vous dirais là. Aussi loin que je me rappelle, euh, j'étais chez Kennedy's Tire, puis ça m'est arrivé de dire à des clients, ben, je pense qu'on ne pourra pas vous aider, puis de l'envoyer ailleurs. Au fil du temps, par contre, euh, comment est-ce qu'on fait ça? Puis en fait, je vous dirais, la, la clé ou ma façon de voir de ce côté de, de, comment couper le cordon... Faut être euh, stratégique, faut être, euh, faut le faire avec doigté. Ça sert à rien de couper les ponts euh, puis de, en fait de, de brûler tout sur votre passage puis qu'il n'y ait plus de relations possible parce que on ne sait jamais ce qui nous attend. On ne sait jamais euh, qu ce que le futur nous réserve. Est-ce que ce client-là euh, va, euh, -ce va se ramasser chez un autre de nos clients Est-ce que euh, cette personne-là va se ramasser chez un autre de nos clients Est-ce que cette personne-là, tu sais, est-ce que nous on, on va changer d'emploi Tout est possible dans la vie. Donc, de ne pas brûler de pont, je pense que ça serait la, la première chose à faire. Comment, tu sais, dans la question, comment est-ce qu'on coupe On le fait avec doigté. Donc, on essaie de trouver une solution de rechange. Euh, on, l en, on envoie cette personne-là vers quelqu'un qu'on pense qui va être en meilleure position pour l'aider. Euh, de, de, le, de le diriger de cette façon-là, de ne pas le laisser tomber. Euh, C'est sûr qu'on ne va pas dans. Tu sais, on reste. Euh, Courtois, on reste professionnel. On en a parlé la semaine dernière dans les 28 qualités. Euh, je viens de les réénumérer, mais de, de demeurer. Euh, comment est-ce qu'il disait ça euh, euh, C'était de, de... le contrôle de soi. Ben, c'est sûr que dans une situation comme ça, quand on vient à couper le cordon, souvent on est chargé émotivement. Et c'est facile de tomber dans le, dans le négativisme ou de tomber dans le côté, je vous dirais, un peu plus. Euh, un peu plus sec, un peu plus... Euh, on peut tomber, parfois là, certaines personnes vont tomber même dans la méchanceté. Je vous dirais que c'est pas euh, c'est pas, pas recommandable. Comme je viens de dire, on sait jamais où est-ce euh, on va se retrouver. On ne sait pas dans six mois, dans un an, dans cinq ans, euh, qu'est-ce qui va se passer. Puis si euh, les gens ont parfois la mémoire longue, donc euh, de faire ça correctement, ça va être payant. Quand est-ce qu'on fait ça maintenant, du euh, couper le cordon ou cesser une relation, euh, ben, comme Thibault le disait, c'est le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien d'étendre et de de, de, laisser, euh, de laisser une relation euh, prendre du temps ou, ou s'étirer dans le temps pour absolument rien. Si vous savez que ça ne fonctionne pas, euh, je vais va faire l'analogie du plaster, on l'enlève le plus rapidement possible, euh, on, on y va pas tranquillement, puis petit coup par petit coup, on n'étire ça pour rien. C'est one shot, on enlève ça le plus rapidement possible. C'est sans doute la façon la plus euh, la plus facile de le faire. Si je reviens à, mes, euh, à mon poste que, que je, vous, je vous parlais tout à l'heure, il euh, y a Marc Corriveau qui dit, euh, qui répond à, à Maurice Nantonji, qui dit Les banques savent de faire très bien, les frais, services réduits, refus, absence d'option, euh, remise du compte à un adjoint, euh, etc. etc. C'est effectivement des façons qui peuvent le faire, mais comme je viens de dire, il euh, y a beaucoup de négativisme. Puis si on, on, on lit les sous-entendus de, de, de cette personne-là, de, de Marc, ben on se rend compte qu'il y a peut-être une certaine forme de frustration de son côté pour, <laughs> -moi, pour, les, euh, pour les banques. Donc, leur façon de laisser tomber, de couper le cordon, est loin d'être optimale. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Euh, on est tous en business pour avoir un maximum de clients, générer un maximum de revenus. Mais ça demeure que c'est une réalité des affaires que d'avoir à couper le, le cordon. Ça peut être un, un client, mais ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un employé, euh, ça peut être un fournisseur aussi, où est-ce qu'on doit couper le cordon Parce que pas euh, c'est pas juste dans un sens. Là, je veux dire, Comme je viens de mentionner, on peut devoir couper un cordon aussi avec un fournisseur qui fait pas le travail, qui nous livre pas ce qu'on s'attendait, euh, qui euh, ne. ne ne répond plus à nos besoins, mais il faut savoir couper le cordon aussi, là, et euh, passer, à, passer à autre chose. C'est euh, un peu ce que j'avais ce matin. Je vous dirais, c'est un, un, un meeting un peu plus court que, que l'habitude. Euh, je ne vous cacherai pas que la semaine dernière, moi, ça a été, ça a été un peu fou. Euh, début de nouveau mandat, mettre des choses en place. Et euh, au cours, euh, ben, on s'en vient sur la fin de la, de la saison. Donc, euh, la semaine prochaine va être le, le dernier épisode. Euh, le, le 30e épisode, le dernier épisode de la saison, je tiens à le, à le préciser, mais euh, le, le dernier épisode, je vais prendre les mois d'été, euh, donc juillet-août, euh, off, et je vais euh, off du, euh, du meeting des ventes, je vais continuer à travailler. En fait, je prends deux semaines de vacances, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Mais c'est un peu ce que j'avais ce matin, donc euh, c'est un sujet un peu plus light, euh, étant donné qu'on en avait déjà parlé, je voulais pas refaire le, le sujet... Euh, d'un bout à l'autre, je voulais partager ça avec vous ce matin. Je quand même, je sais que bon, euh, c'est plus court que l'habitude. On est à 11-12 minutes. Euh, J'ai l'habitude de faire un minimum de 20, mais là, comme je vous dis, ce matin, c'est euh, plus light. Je vais quand même prendre le temps de répondre à vos commentaires, à vos questions dans le, dans le chat au courant de la journée. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, et vous pouvez toujours me contacter euh, par courriel à info@commercialnomisco.ca. Sinon, vous pouvez le faire euh, sur LinkedIn à linkedin.com baroblique In Simon -harvey .qc. Euh, je vous invite à vous abonner au meeting des ventes sur euh, toutes les plateformes de de, de podcasts que ce soit spotify euh, Apple podcast google podcast et toutes les autres. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne semaine. Oh, je tiens à mentionner, euh, si vous avez remarqué, là, pour ceux qui, qui, qui me regardent live, j'ai maintenant du, euh, des t-shirts à, euh, à mon logo. Je tiens à remercier euh, Diane Hillier qui a fait, euh, qui a fait le travail. C'est avec elle que j'ai euh, travaillé ce dossier-là. Très bien servi. Donc, euh, je vous la recommande fortement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes, et on se revoit la semaine prochaine pour euh, le 30e épisode du Meeting des Ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde, bye